Les femmes et l'automobile, c'est l'histoire d'une passion méconnue, clairement sous-estimée. Et elle commence en 1888 avec l'Allemande Bertha Benz. Elle est mariée à un certain Karl Benz, l'un des fondateurs de Mercedes-Benz et auteur du tout premier brevet pour un véhicule doté d'un moteur à combustion. Une invention étrange qui, à l'époque, ne convainc pas les foules. Alors Bertha prend les choses en main. Avec ses deux fils, elle entreprend le premier voyage en automobile de l'histoire sur plus de 100 km. Un véritable coup marketing. À cette occasion, elle se révèle une bricoleuse de génie et valorise la praticité de l'automobile. Pour faire le plein en route et pallier l'absence de station-service, elle achète de l'essence à la pharmacie. Elle utilise une épingle à chapeau pour déboucher l'arrivée d'essence et remplace également les plaquettes de frein usées par des morceaux de cuir qu'un cordonnier lui avait donné sur la route. C'est ainsi que Bertha fait connaître la voiture de Karl Benz grâce à son courage et à son mépris des institutions et des autorités.